Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de la République démocratique du Congo. Je suis très ravi encore une fois de plus parce que le sujet que nous allons aborder encore aujourd'hui, ça sera sur la gestion globale de notre pays. Et cette gestion globale, nous la constatons que nos dirigeants actuels, peut-être il ne faut pas très attention sur l'ensemble du pays, mais ils se focalisent effectivement sur la capitale et nous constatons que ce n'est pas donc très important que Bounagana soit entre les mains des agresseurs ou ce pas. Nous constatons que beaucoup, surtout le ministre de l'Intérieur, se focalise beaucoup plus sur Kinshasa que sur l'intérieur du pays. C'est ainsi que nous martelons sur ce que nous disons ici, le développement de 145 territoires qui a déjà été initié et qui a été lancé par le gouvernement actuel. Aujourd'hui, nous allons encore en parler, nous allons essayer un peu de vous montrer comment est-ce que le gouvernement de Kinshasa a échoué sur tout le plan, sur ce plan-là, sur ce projet-là de développement de 145 territoires que nous en parlons depuis 2019, à ce que le gouvernement central soit effectivement un gouvernement central, mais qu'il puisse décentraliser le pays, qu'il puisse responsabiliser le peuple au niveau de la base, afin qu'il puisse soutenir ce développement-là. Ce développement-là ne viendra pas seulement de Kinshasa. Le développement de 145 territoires ne viendra que du peuple au niveau de la base. Lorsque le peuple s'impliquera, lorsque le peuple va commencer à contrôler, lorsque le peuple va s'approprier de ce développement de 145 territoires, il y aura aussi développement, il y aura une certaine conscientisation. Alors, avant de continuer, mes chers amis, donc vous allez vraiment m'excuser de ma voix qui est un peu, je suis un peu arrimé parce que ici, comme vous l'avez constaté, l'accoutrement, le climat a changé. Nous sommes en train d'entrer dans un climat chaud où nous étions dans le moins 2, moins 3. Aujourd'hui, le climat commence à monter, nous sommes à 25 et ça fait un peu très chaud, ça nous donne des rhumes, donc vous allez m'excuser pour cette voix-là, comprenez donc que dans la situation dans laquelle nous vivons. Donc, comme toujours, Contact Pro Live, nous ne vous laissons pas sans être informés, nous vous donnons les grands titres des journaux qui paraissent sur Internet et donc nous vous lisons. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez encore beaucoup connaître plus, regardez dans ce qui est dans la barre qui se déroule ici en bas, les liens de ces journaux-là. Vous pouvez aller lire les détails de ces journaux. Donc, prenons donc les grands titres à la une des journaux qui paraissent au mardi. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 août 2023. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet qui est le développement de 145 territoires et l'implication du gouvernement central dans ces projets qu'ils ont lancés. Cela maintenant fait à peu près une année ou bien 6 mois. On se retrouve tout de suite. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Sirkivu, un homme kidnappé en plein ville de Bukavu. Encore un incendie à Matadi Kibala. Et puis une position de FARDC attaquée à Moussekere. On va sur actualité.cd. Congo, un cas suspect de monkeypox et une vingtaine de contacts recensés à Panzi. Coopération sino-congolaise, succès à la première semaine de cinéma chinois à Kinshasa. Tshisekedi consulte les chefs des institutions au sujet notamment de l'état de siège. On va sur Congo profond. Au Katanga, sortie officielle de la mutualité Ukwanga Kwa
Boakwile à Pueto. Drame qui s'ensuit. Tragique noyade d'un jeune garçon de 19 ans dans la rivière Ndjili. Félix Tshisekedi toujours convoque les chefs des institutions pour tabler sur l'état des sièges. 7 sur 7, Isidore Ndawel initie un nouveau projet de constitution fixant le mandat de présidentiel à 9 ans non renouvelable. Et puis, Mata tampone au procès, absent de la capitale, l'ex-premier ministre sera représenté par ses avocats. Et puis, Tshisekedi lance le premier conclave des génies scientifiques qui promeut les inventions et innovations congolaises. On termine par Radio Okapi. Bukavu, l'ascension de Mont Kahuzi attire de nombreux touristes. Élection municipale à Beni, aucune candidature déposée à 24 heures de la fin de l'opération. 71 personnes opérées gratuitement de bec, de lèvres. Ah, ça c'est où? Ça c'est à Bunia. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, l'actualité, comme vous aviez suivi sur le net, est prédominée aussi par les événements qui se passent à Kinshasa. Mais ici, en Afrique du Sud, nous attendions le président de la République. Finalement, on nous a dit que non, il sera représenté au sommet des BRICS qui s'ouvre à partir de demain. Ce sera pour 3 jours où les États de BRICS vont discuter sur cet organisme encore qui réunit beaucoup de pays en voie de développement, quoi, qui voudrait faire une opposition sur le dollar, sur l'Amérique et tout ça. Donc c'est le sommet de BRICS qui va s'ouvrir demain. Alors notre sujet du jour concerne effectivement l'implication ou comment est géré le développement, le projet du développement des 145 territoires. Nous l'introduisons par ce que nous voyons, par le fait qui sont, cette semaine, nous avions vu Jekoko Mulumba qui est descendu quelque part dans, je sais pas, je crois que c'est dans la commune de Kalam ou quelque chose comme ça, où on voudrait vendre une portion de terre et tout ça. Et l'implication du ministre du VPM qui s'est impliqué en envoyant justement le vice-président, le vice-gouverneur d'aller voir ce qui se passait là-bas. Et tout de suite, le gouverneur est parti, on a démoli les choses, on a fait ce qu'on a fait là-bas. Mais est-ce que c'est seulement à Kinshasa qu'il y a dénonciation? Nous avons vu encore quelque part dans le Congo central, il y a un chef de localité qui réclamait que la République du Congo est en train de gérer une certaine portion de terre. C'est sur les réseaux. On n'a jamais entendu quelque part l'implication même du ministre en se disant « qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on peut aller là-bas ?» Ce n'est pas seulement là-bas. Quelque part aussi à l'Équateur, une île qui a été occupée toujours encore par la République du Congo, où ils sont venus, et leurs armateurs ont hissé le drapeau de la République du Congo, disant que ces terres-là leur appartenaient. Vous voyez comment est-ce que y a donc nos ministres sont beaucoup plus focalisés à Kinshasa, comme si c'est Kinshasa qui est le Congo. Et lorsque vous regardez ce qui se passe, Ils sont beaucoup plus impliqués dans les choses qui se passent à Kinshasa que ce qui se passe ailleurs. Nous avons l'état de siège qui ça fait 2 ans, mais l'implication même du gouvernement, d'autres personnes se disent que non, ils sont en train de faire la diplomatie et tout ça, mais ce n'est pas dans la même ampleur que ce qui se passe à Kinshasa. On construit beaucoup plus à Kinshasa que dans l'intérieur du pays. Alors, revenons maintenant au projet du développement des 145 territoires que le gouvernement a lancé. Ce projet-là consistait à construire des infrastructures, des hôpitaux, des routes. Il y en avait beaucoup, je ne veux pas revenir ici. Ici, je suis dans le principe. Je me dis, c'est bon de faire toutes ces histoires-là. Mais quelle est l'implication maintenant de la base? Le président de la République avait appelé les territoriaux, les députés provinciaux de l'intérieur du pays, pour venir leur dire que non, il faut qu'ils s'impliquent
dans ce projet-là de 145 territoires. Mais quel est le mécanisme qui va faire à ce que ces gens-là puissent gérer ou bien avoir un œil sur le projet qui se fond de l'autre côté? La Constitution a prévu quoi? Quelle est la responsabilité de ceux dont les terres appartiennent, où on est en train de venir construire des choses dont eux, ils n'ont même pas un regard sur ce qui se passe. Baza impliqué te batouana, ils ne sont pas là. C'était comme si une parole qui s'est envolée comme ça, on leur a dit, il faut bota la makamwane kozala negre. Moi, je pense que ça devrait être eux qui devraient être les patrons de ce projet-là qui se faisait. Mais le gouvernement central a fait quoi? La gestion de ce projet-là a été donnée à un organisme onusien, où les administrateurs des territoires, même les gouverneurs de province, ne peuvent pas aller dire, mais ici, qu'est-ce qui est prévu? Comment est-ce qu'on va dépenser l'argent? Comment est-ce que c'est... Tout simplement, bah, Monique Kabatou, Baye, Babandi Kosa, là-haut, non, pancarte, on a ça, développement 145 territoires. Et on se pose la question, même ces infrastructures-là, à leur fin, lorsqu'ils auront terminé les travaux qui font des écoles, je ne sais pas, des puits d'eau, des hôpitaux ou bien des polycliniques qu'ils ont à construire, dans quel système est-ce que ça sera sous la gestion du gouvernement central ou bien ça sera sous la gestion du territorial? Est-ce que c'est le gouvernement provincial qui aura un regard sur ces infrastructures-là? Parce qu'il doit y avoir une certaine continuité. Bien sûr, les agences onusiennes qui gèrent l'argent, ils collaborent avec les entrepreneurs de ces places-là. Ces entrepreneurs-là viennent demander l'argent aux agences onusiennes et ce sont les agences onusiennes qui contrôlent, qui se disent, bon, qui financent, disons, qui jouent l'intermédiaire entre le gouvernement central et les entrepreneurs. Et là, nous ne voyons même pas l'implication des territoriaux. Nous ne voyons pas l'implication, nous ne voyons pas la place des gouverneurs, nous ne voyons pas la place des administrateurs des territoires. Ils n'existent pas comme pour eux. Ce sont des projets qui sont construits par les autres pour nous. Or, ça devrait être construit pour nous parce que moi, je me suis dit, la bonne manière de faire ces choses-là, ça serait vraiment c'est que on puisse responsabiliser les gens. Et lorsque les gens sont responsables, ils en tiendront. Ils pourront prendre soin de ces infrastructures-là. Ils incluront ces infrastructures-là dans leur projet de développement local. Dans le projet de développement local, nous devons d'abord circonscrire qu'est-ce que nous avons besoin. À Beni, quelle est la priorité, par exemple, pour que nous puissions constater un développement de notre population? Quelle est la priorité? Quels sont les projets que les administrateurs du territoire l'intérieur ont conçus pour se dire que, en tout cas ici, il nous faut, par exemple, un hôpital de référence parce que nous avons autant de gens qui en ont besoin. Et ici, nous avions salué Katumbi qui, à Beni, par exemple, est parti faire, je ne sais pas, et même dans le Bandundu là-bas, il a, disons, financé les hôpitaux, il a essayé un peu d'équiper certains hôpitaux qui existaient, et puis même construire, on a vu ça. Mais ça, c'est du désordre. Un entrepreneur qui a l'argent, il vient pour des fins politiques, pour des fins propagandistes, il vient, il vous construit un hôpital. Mais cet hôpital-là est géré par qui? L'hôpital, ce n'est pas le bâtiment. L'hôpital, c'est un système de santé. Et nous avions vu, et nous avions entendu que le gouvernement actuel avait ce projet-là des systèmes de santé qu'il devrait mettre en place. Parce que les infrastructures viennent appuyer un système qui existe. C'est-à-dire que le système va avoir besoin de ces infrastructures-là. Le système va faire en sorte qu'en aval, il est financé justement pour avoir le médicament, pour avoir... Vous allez construire un bâtiment et les malades qui viendront là-bas devront acheter leurs propres aspirines ou bien leurs propres seringues. Ça n'a pas de sens. Alors, quel a été ce que nous pensions ici à Contact Pro Life? Bisoto bandeko kanisanini. Bandeko, au moment où nous sommes en train d'aller vers les élections, sans songer l'après-élection, nous sommes en train de creuser toujours nos tombes.
Nous sommes en train toujours de creuser la tombe de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de nous embrouiller pour rien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons nous mettre d'accord. Nous devons nous mettre d'accord sur une nouvelle gestion de la République démocratique du Congo. La gestion de la République démocratique du Congo, c'est ce que moi je me suis dit. Il faut discuter sur la rétrocession des responsabilités. Il y a un ami à moi qui m'a dit non, il ne faut pas parler de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. J'ai dit non. Le pouvoir, c'est cette habileté d'être responsable de quelque chose. Le peuple, à la base, devrait être responsabilisé. Ce qui est le cas aussi, c'est Boyokana, Bosala, Yango Kuna. Bobengaka toujours Kinshasa, c'est comme ce que j'ai commencé par vous dire ici. Quelqu'un a spolié une parcelle et c'est le ministre qui va intervenir, qui va envoyer des injonctions là-bas. Mais combien de fois le ministre a envoyé des injonctions au problème qui se passe à l'intérieur du pays? Aucune. Le ministre est ministre peut-être de Kinoa. Ce qui se passe à Kinshasa ne reste qu'à Kinshasa et ne bénéficie qu'au Kinoa. Mais bato bazana Kalemi, bato bazana Mbandaka, bato bazana Norubangi. Des problèmes qu'ils connaissent pas, qu'ils connaissent là-bas. Est-ce que le ministre s'implique là-dessus? Aucunement. Or, sur les réseaux, nous avons des dénonciations, beaucoup de négociations, des dénonciations, je veux dire ici. Mais le gouvernement central n'en prend pas vraiment ces cas-là au sérieux. Likambo eza koleka côté à Maluku, awa chef de localité na lobby que non Congo eza koya ko tia ba pancarte na bango awa ba mpako ekoma ko futa mana na ngambo ya Congo. Et c'est la même chose même à Uvira, des vidéos sur Kin pour nous montrer que non gouvernement central eza ko maîtriser le quoi. Donc système actuel ne maîtrise pas la République démocratique du Congo. C'est de là que nous disons que il faut absolument que nous nous mettions d'accord. On dengue tozo kene na ba élection, élection écoproduire le komo côté. Et nous ici, nous prenons le développement de 145 territoires en refondant justement l'État. En refondant comment est-ce que l'État va commencer à être responsabilisé au niveau de la base. De façon que, ba makambu mousousou, oyo e koki kozoa ma ba solution na dengue ya province, ezoa maka kote kuna, ba toana ba se sentir responsable. Ba ngo moko ba gérer par exemple, ba nzela oyo ba kotonga. Ces nzela là, quand ils vont construire ces routes là, ça sera sous leur gestion. Mbongo oyo banzela wana ko banda ko produire ekendaka Kinshasa te, me bakotongela biso banzela kuna nzela wana toyebite soki nani yango ajeraka yango. Tomona ki Foner awa batu moko na kote ya Kasai baza koloba ke non Foner e finance ba biloko wana. Foner nani yango akontrolaka Foner? Mbongo oyo bampaku oyo batu bafutaka Foner yango e konstruizaka nini? Sur toute l'étendue du territoire, Babilo, Kwane, Zalie, Bele. Donc, il y a du désordre par-ci, par-là. Et nous, ici, à Contact Pro Life, nous sommes en train de nous dire il faudrait en principe que ton changement au Togo Sala est à la co-responsabiliser de bande konabiso, nandenge assez, nandenge à base. Batouna batoubaz à la ba responsable d'une certaine niveau. Responsabiliser les gens, ce n'est pas seulement ces gens-là qui ont de bas à la naba diplôme, Bele ou bien bien. Non, c'est système qui va être mis en place pour que gestion ya malamu esalema batubaza la conscience ya koloba ke non ce n'est pas l'homme mais ce sont des institutions qui sont en train de travailler. Awa na territoire na biso toza ko pesa office de route na biso et local awa tozo pesa bango mbongo combien pour que basale la biso mbongo balabala wana basi batie la biso clinique wana eza ko kota na système ya santé nini. C'est ça qui nous manque. Ces réflexions-là n'existent pas dans notre gouvernement. On pense toujours que non. Ceux qui totongeli bango école kuna makamuna bango esili. Ceux qui totongeli bango soki polyclinique, ceux qui totongeli bango centre de santé makamuna bango esili. La gestion humaine, c'est ça qui est important et les structures de cette gestion-là doivent être mises en place pour que l'autorité de l'État finalement na kate na base et yokana et monana. Et cette autorité à la base ne devra être perçue que lorsque Batunakati ya Babituka dans les 145 territoires commence à se dire que non, ceux qui n'ont pas besoin loco ou bien mpaku onga naza ko futa, voilà le résultat qu'il est en train de produire. Au lieu d'attendre à chaque fois quand un président va passer, yende mutu akotongela kabiso boye, yende mutu akorassurer biso sécurité na biso, ça c'est pratiquement nous mettre la poudre aux yeux. Baza koko sabiso.
Ceux qui veulent venir de président de la République, ceux qui vont songer dans la restructuration, il y a un modèle à gérer le cannabis, ceux qui vont songer dans le monde, ils vont songer dans le monde, ils vont songer dans le monde, et qu'ils vont songer dans Kinshasa, parce que Kinshasa profite à Kananin, et profite à justement la recette où ils ont été à l'intérieur, la recette où ils ont été à Kasumbalesa, et ils ont été à Kawapi. Ce qui est à consommer, c'est dans la République démocratique, Mobimba. Et puis là, vous allez voir que tout cet argent-là des minéraux qui sont en train de provisionner les caisses de Kinshasa, ça ne profite pas. Quand est-ce que la dernière fois, vous aviez entendu de la rétrocession de ces 40% aux provinces? Et ça l'a été. Nous sommes en train d'aller dans la fin du mandat. On a fait la rétrocession combien de ces 40%? Et ça l'a marqué combien de fois? Et c'est cela que je suis en train de dire que tout réfléchir, Bandeko, bah Congolais, nous avons encore nous n'avons pas à nous précipiter pour rien à cause de la élection ou à cause de l'élo comme côté. Cohésion nationale les a tés, bah élection les a triqués et nous sommes toujours en train de nous embrouiller. Élevons un peu le débat à Koloba Keno. Mboka na biso ezo kende malamu te. Nandengyo tozo kende boye, mboka na biso toko koma pe na 2030, toza kaka kotourne en rond. Arrêtons-nous, réfléchissons à faire un changement. Le changement, ce n'est pas les hommes. Le changement, c'est la façon de faire, la façon de la gestion à pays na biso. Changement yango wana toza kozela na batu oyo baza kokanisa koloba keno ba okamba Congo. Manière nini, toko kiko banda ko profiter na or ya mboka na biso awa par exemple na kati ya territoire a place to produisaka or. Comment est-ce que nous sommes organisés na kati ya bituka na biso pour que caisse ya territoire na biso ezala approvisionner pour que e financer ba projet oyo oyo eza vital pour na territoire na biso. C'est ça l'idée principale. Exacte que non mbongo Kibali Mining futa kaba taxe na na Kinshasa, mais autour de Kibali Mining c'est la misère. C'est la forêt. Bato bazako vivre bazana ba école té. L'administrateur de territoire n'a même pas un regard sur Kibali Mining. Et c'est ça que Kabila avait entamé na ba code minier na toyokaka et que ebandai kozala entamé. Ici nous prenons le développement de 145 territoires, c'est-à-dire la rétrocession de responsabiliser les territoires sur tout ce qui se passe sur leur territoire. Makambo ebele ba responsabilité wana, il faut ezala bien défini et que batu bayokani balobi te. Makambo par exemple ya exploiter ba minerai na kati ya ba territoire, il faudrait que les territoires aient un regard sur tout ce qui se passe sur leur territoire. Bazala kaba responsable et puis ils seront entourés par justement ba communauté, ba comité territoriaux oyo bakoye bakeno mbongo ekota ki combien mbongo eko servir na nini oyo ezak boy tozo sala toza na nzela te mbongo o to sali awa toko gérer yango pour que ba pont, pour que ba école, pour que ba biloko nini nyonso wana salema. Et nous le chemin que nous prenons ici, c'est que nous avions supporté le président de la République depuis 2019 en disant rétrocédons, faisons un arrêt sur image en disant toyo kananan. Nous changement est allé copier sa autorité à l'État. L'État, l'autorité de l'État ne viendra pas avec les armes. L'autorité de l'État ne viendra pas avec oh bah que cocotine d'abasoda côté qu'on a pour ba rétablir l'autorité à l'État. Non, l'autorité de l'État c'est la gestion humaine à Batou. Processus c'est ni n'ango tozo kota pona Batouba se prendre en charge au niveau de la base. Batouba za la conscience na biloko oh baza ko utiliser na ba projet oh baza ko sala bango moko ba initier ba lobité. Ah il faut tozo la na pont. Nous allons nous engager ici. Si nous pouvons avoir un Chinois qui viendra construire ici, il sera
sera sous notre responsabilité. Bisonde mutu tokozala koita la ke mbongo za combien. OK, est-ce que sali makambo malamu? Et il ne sera pas seul l'administrateur de territoire, il sera entouré par otoza koloba awa ba ba comité territoriaux ba 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 gouvernement territoriaux oyo ba 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 député de provincial bango nyonso ne bakozala na regard moko sur ce qui se passe sur leur territoire, que ça ne soit pas tout simplement à Kinshasa. Yango nande tozoloba awa bande koto la muka. Le pays a besoin d'un changement. Le changement, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas que mettre Katumbi à la présidence que tout va changer. Ce n'est pas de mettre Fayoulou à la présidence que tout va changer. Non. Nous devons être conscients des processus que nous mettons afin que le peuple congolais puisse commencer à se prendre en charge. Etienne Tshisekedi l'a dit depuis longtemps. Et nous ici, le chemin était quoi? C'était que le président de la République puisse appeler un état des lieux de chaque territoire. Batuna batuba kende koyokana. Et le point le plus culminant, c'est la gestion humaine. Toye bana toza banani, toza banani, tozo salanine na kati abituka na biso. Aujourd'hui, les administrateurs de territoire, il a disons financer les hôpitaux, il a essayé un peu d'équiper certains hôpitaux qui existaient et puis même construire on a vu ça, mais ça c'est du désordre. Un entrepreneur qui a l'argent, il vient pour des fins politiques, pour des fins propagandistes, il vient, il vous construit un hôpital, mais cet hôpital là est géré par qui? L'hôpital, ce n'est pas le bâtiment, l'hôpital c'est un système de santé. Et nous avions vu et nous avions entendu que le gouvernement actuel avait ce projet-là des systèmes de santé qu'il devrait mettre en place. Parce que les infrastructures viennent appuyer un système qui existe. C'est-à-dire que le système va avoir besoin de ces infrastructures-là. Le système va faire en sorte que en aval, il est financé justement pour avoir le médicament, pour avoir... Vous allez construire un bâtiment et les malades qui viendront là-bas devront acheter leurs propres aspirines ou bien leurs propres seringues. Ça n'a pas de sens. Alors, quel a été ce que nous pensions ici à Contact Pro Life? Bisoto bandeko kanisa nini. Bandeko, au moment où nous sommes en train d'aller vers les élections, sans songer l'après-élection, nous sommes en train de creuser toujours nos tombes. Nous sommes en train toujours de creuser la tombe de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de nous embrouiller pour rien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons nous mettre d'accord. Nous devons nous mettre d'accord sur une nouvelle gestion de la République démocratique du Congo. La gestion de la République démocratique du Congo, c'est ce que moi je me suis dit. Il faut discuter sur la rétrocession des responsabilités. Il y a un ami à moi qui m'a dit non, il ne faut pas parler de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. J'ai dit non, le pouvoir c'est cette habileté d'être responsable de quelque chose. Le peuple à la base devrait être responsabilisé. So qui est loko ezo simba kuna te boyokana bo sala yango kuna bo benga ka toujours Kinshasa te, comme ce que j'ai commencé par vous dire ici, il y a quelqu'un a spolié une parcelle et c'est le ministre qui va intervenir, qui va envoyer des injonctions là-bas. Mais combien de fois le ministre a envoyé des injonctions au problème qui se passe à l'intérieur du pays? Aucune. Le ministre est ministre peut-être de quinoa. Ce qui se passe à Kinshasa ne reste qu'à Kinshasa et ne bénéficie qu'au quinoa. Mais bato bazana Kalemi, bato bazana Mbandaka, bato bazana Norubangi. Des problèmes qu'ils connaissent pas, qu'ils connaissent là-bas. Est-ce que le ministre s'implique là-dessus? Aucunement. Or, sur les réseaux, nous avons des dénonciations, beaucoup de négociations, des dénonciations, je vais dire ici. Mais le gouvernement central n'en prend pas vraiment ce cas-là au sérieux. Likambo ezako leka kote a maluku awa, chef de localité na lobi keno Congo ezako ya kotia ba pancarte na bango awa ba mpako ekoma kofuta mana na ngambo ya Congo. Et c'est la même chose même à Uvira, des vidéos sur Kin pour nous montrer que non, gouvernement central ezako maîtrise loko. Donc système actuel ne maîtrise pas la République démocratique du Congo. C'est de là que nous disons que il faut absolument que nous nous mettions d'accord. On dengue tozo kene na ba élection, élection écoproduire le komo côté. Et nous ici, nous prenons le développement de 145 territoires en refondant justement l'État.
en refondant comment est-ce que l'État va commencer à être responsabilisé au niveau de la base, de façon que bama kambumusu oyo et koki kozwa ma solution na ndenge ya province ezwa makakote kuna batwana ba se sentir responsable bango moko ba gérer par exemple banzela oyo ba kotonga. Ces nzela là, quand ils vont construire ces routes là, ça sera sous leur gestion. Mbongo oyo banzela wana ko banda ko produire et kendaka Kinshasa te, mais ba kotongela biso banzela kuna nzela wana to ebite soki nani yango ajeraka yango. To mona ki Foner awa batu moko na kote ya Kasai baza koloba ke non Foner est financé ba biloko wana. Foner nani yango kontrola ka Foner? Mbongo oyo ba mpaku oyo batu bafuta ka Foner yango e construisa kanini? Sur toute l'étendue du territoire, Babylon, Kwane, Zali, Bélé. Donc, il y a du désordre par-ci, par-là. Et nous, ici, à Contact Pro Life, nous sommes en train de nous dire il faudrait en principe que ton changement au Togosala est à la co-responsabiliser de bande konabiso, nandenge ase, nandenge à base. Batouna batouba, ça la va responsable d'un certain niveau. Responsabiliser les gens, ce n'est pas seulement ces gens-là qui ont de bazala naba diplôme, Bélé ou bien baye, non. C'est un système qui va être mis en place pour que gestion ya malamu esalema batubaza la conscience koloba ke non ce n'est pas l'homme mais ce sont des institutions qui sont en train de travailler. Awa na territoire na biso toza ko pesa office de route na biso local awa tozo pesa bango mbongo combien pour que basale la biso mbongo balabala wana basse batie la biso clinique wana za ko kota na système ya santé nini. C'est ça qui nous manque. Ces réflexions-là n'existent pas dans notre gouvernement. On pense toujours que non. Ceux qui totongeli bango école, kuna makambuna bango esili. Ceux qui totongeli bango, ceux qui polyclinique, ceux qui totongeli bango centre de santé, makambuna bango esili. La gestion humaine, c'est ça qui est important et les structures de cette gestion-là doivent être mises en place pour que l'autorité de l'État finalement na kat na base et yokana et monana. Et cette autorité à la base ne devra être perçue que lorsque Batunakati ya Babituka dans les 145 territoires commence à se dire que non, ceux qui n'ont besoin loco ou bien mpaku onga naza ko futa, voilà le résultat qu'il est en train de produire. Au lieu d'attendre à chaque fois quand un président va passer, yende mutu akotongela kabiso boye, yende mutu akorassurer biso sécurité na biso, ça c'est pratiquement nous mettre la poudre aux yeux. Baza koko sabiso. Ceux qui veulent venir de président de la République, ceux qui vont songer te na restructuration, il y a modèle à gérer mboka na biso, ceux qui vont songer na ngote, to kozongela kaka makambo ango moko moko wana et que moyibe kozala kana Kinshasa parce que Kinshasa profita kana nini? Et profita ka justement na ba recette o ezana ko uta na intérieur. Ba recette o euti na Kasumbalesa et tonga ka wapi? Ce qui est à consommer, c'est qu'il y a la République démocratique, Mobimba. Et puis là, vous allez voir que tout cet argent-là de minerais qui sont en train de provisionner les caisses de Kinshasa, ça ne profite pas. Quand est-ce que la dernière fois, vous aviez entendu de la rétrocession de ces 40% aux provinces? Et ça l'a été. Nous sommes en train d'aller dans la fin du mandat. On a fait la rétrocession combien de ces 40%? Et ça l'a marqué combien de fois? Et c'est cela que je suis en train de dire que tout réfléchir bandeko ba congolais nous avons encore nous n'avons pas à nous précipiter pour rien à cause de la élection ou à cause de l'élo côté cohésion nationale les athées ba élection les a triqué et nous sommes toujours en train de nous embrouiller. Élevons un peu le débat à koloba que non mboka na biso ezokende malamu te na ndenge tozo kende boye mboka na biso toko koma pe na 2030 tozaka ka kotourner en rond. Arrêtons-nous, réfléchissons à faire un changement. Le changement ce n'est pas les hommes, le changement c'est la façon de faire, la façon de la gestion ya pays na biso. Changement ya ngwana toza kozela na batu oyo baza kokanisa koloba ke no ba okamba Congo manière nini toko kiko banda ko profiter na or ya mboka na biso awa par exemple na kati ya territoire a place to produire ka or. Comment est-ce que nous sommes organisés na kati ya bituka na biso pour que caisse ya territoire na biso ezala provisionner pour que e financer ba projet oyo eza vital pour na territoire na biso. C'est ça l'idée principale. Exacte que non mbongo Kibali Mining futa ka ba taxe na na Kinshasa, mais autour de Kibali Mining c'est la misère. C'est la forêt. Bato bazako vivre bazana ba école té. L'administrateur de territoire n'a même pas un regard sur Kibali Mining. Et c'est ça que
Kabila avait entamé na ba code minier na toyokaka et que ebandai kozala entamé. Ici nous prenons le développement de 145 territoires, c'est-à-dire la rétrocession de responsabiliser les territoires sur tout ce qui se passe sur leur territoire. Makambo ebele ba responsabiliser ba responsabilité wana, il faut ça la bien définir et que batu ba yokani balobi te. Makambo par exemple ya exploiter ba minerai na kati ya ba territoire, il faudrait que les territoires regardant sur tout ce qui se passe sur leur territoire. Baza la kaba responsable et puis ils seront entourés par justement ba communauté, ba comité territoriaux oyo bakoye bakeno mbongo ekota ki combien mbongo eko servir na nini oyo ezak boy tozo sala toza na nzela te mbongo o to sali awa toko gérer yango pour que ba pont, pour que ba école, pour que ba biloko nini nyonso wana salema. Et nous le chemin que nous prenons ici, c'est que nous avions supporté le président de la République depuis 2019 en disant rétrocédons, faisons un arrêt sur image en disant toyo kananano. Toyo kananano, changement ezali kokope sa autorité à l'État. L'État, l'autorité de l'État ne viendra pas avec les armes. L'autorité de l'État ne viendra pas avec oh bake kokotinda ba soda kote kuna po ba rétablir l'autorité à l'État. Non, l'autorité de l'État c'est la gestion humaine à batou. Processus nini ango tozo kota pona batouba se prendre en charge au niveau de la base, batouba za la conscience na biloko oyo baza ko utiliser na ba projet oyo baza ko sala bango moko ba initier ba lobité. Awa il faut tozala na pont. Nous allons nous engager ici. Si nous pouvons avoir un chinois qui viendra construire ici, il sera sous notre responsabilité. Bisonde mutu toko zala ko itala ke mbongo za combien. Ok, est-ce que sali makambo malamu? Et il ne sera pas seul l'administrateur de territoire, il sera entouré par otoza koloba awa, ba comité territoriaux, ba gouvernement territoriaux oyo, ba député de provincial bango nyonso nde bakozala na regard moko sur ce qui se passe sur leur territoire. Que ça ne soit pas tout simplement à Kinshasa. Yango wana nde tozoloba awa bandeko tolamuka. Le pays a besoin d'un changement. Le changement, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas que mettre Katumbi à la présidence que tout va changer. Ce n'est pas de mettre Fayulu à la présidence que tout va changer. Non. Nous devons être conscients des processus que nous mettons afin que le peuple congolais puisse commencer à se prendre en charge. Etienne Tshisekedi l'a dit depuis longtemps. Et nous ici, le chemin était quoi? C'était que le président de la République puisse appeler un état des lieux de chaque territoire. Batuna batuba kende koyokana. Et le point le plus culminant, c'est la gestion humaine. Toye bana toza banani, toza banani, tozo salanine nakati abituka nabiso. Aujourd'hui, les administrateurs de territoire sont incapables de dire combien de commerçants ils exercent dans leur territoire, combien de quantités à s'y créer kanakati ba territoire nabango, baza incapables. Ils ne savent pas contrôler. Babilo kwa nasiko toko luka batua nabaye baba. Même si vous mettez quelqu'un d'intellectuel aujourd'hui, azana ba diplôme belé, a commis gouverneur, que le système ne va pas changer, changement mon quoi qu'on la té. Même moi, quand tu me dis que non, Germain va être gouverneur là-bas, je serai gouverneur, mais na katia système oyo, et que tu dis kanaya kende ko yibana kende ko sala kaka mdenge makambwe sale maka. Nous devons changer, c'est ça le changement que le peuple congolais attend. Peuple congolais a causé là, ya kolobate. Ata mutoaza président kuna, mais ba responsabilité na esuki na telle place. Mais awa biso pe ba responsabilité na biso ezali awa. Vous voyez comment les ministres sont en train de se chamailler. Donc bazako tournoyer ba boele la ba mapangu ba sala boy. Ça ne marche pas, mes chers amis. Alors la rétrocession du pouvoir, c'est ça que nous parlons ici, que batou au niveau de la base, que nous avions dit que le projet de 145 territoires était une façon, il y a qu'on mettre bateau en valeur pour qu'il puisse se dire que non, finalement. Biso awa, pourquoi tozo bunda? Pourquoi ezo sale maboete? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de laisser Kitana biso et kenda ako sale ma epa batumsusu biso moko tozo bénéficier nangote? Bandeko, abonnez-vous nombreux sur Contact Pro Live parce que l'isolo oyo ezako continuer. Et si vous avez une idée contraire à ce que nous pensons, appelez-nous, il y a les numéros qui circulent ici. Appelez-nous, nous allons en discuter et nous, ça montre vraiment que non, likambo o ekoki pe ko salema.
Et c'est une idée que les partis politiques, n'andenge tozo kende ba élection boye, ou bien même le gouvernement central aujourd'hui, attache ce qu'est d'azur pouvoir, mais qu'il puisse avoir un regard en se disant, to sala ki mabe, deuxième mandat, qui cause rassembler des premiers mandatés. Tout ça là qui nous avons maintenant l'expérience que soit toujours continuer dans modèle wana et aussi mbaté arrêtons-nous refondons le Congo tout mettre ba structure en place au ba structure wana et qu'on diminue corruption et qu'on paie sa implication à peuple congolais na kati ya développement à mboka na emoko. Donc abonnez-vous nombreux, partagez nos émissions, continuez vraiment. Je remercie en tout cas ceux qui continuent à m'appeler, à m'encourager, à laisser les commentaires dans nos vidéos. Cela montre que l'idée que nous sommes en train de dire ici a un sens et que ça peut aider notre pays à se développer. Merci beaucoup. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.